Je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Voilà, ce sera une vidéo action. C'était pas trop prévu au programme, mais on avait besoin de quelques petits trucs pour le bricolage. Mon mari avait besoin, donc on y est allé. Et évidemment, j'ai trouvé aussi quelques petites choses pour moi. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer tout ça. Donc, peut-être par le moins intéressant, mais en ce moment, il y a beaucoup de choses de jardinage, barbecue. C'est vraiment le moment d'acheter, j'ai envie de dire, car après, pour les retrouver, des fois, c'est pas simple. Il s'est acheté, mon mari, un tuyau d'arrosage, juste pour rallonger le nôtre, en fait. Mais alors, les prix, je vous les remettrai comme d'habitude. Ça sera plus simple, mais c'est vrai que par rapport à Leroy Merlin, voilà, hein, il fera ce qu'il fera, mais c'est beaucoup moins cher quand même. Donc on a pris ça. Je vais vous montrer dans le désordre, hein, je pense. Comme on a pas mal de peinture à faire, on doit refaire là, on va faire nos volets. On a acheté des pinceaux parce que bah, c'est pareil, on s'embête pas là-bas, ça coûte tellement pas cher que autant les changer. Donc voilà. Après, il a trouvé pour le barbecue des très grandes allumettes. Voilà, c'est vrai que c'est pratique parce qu'elle est toute petite, on a quand même tendance à se brûler. Il y en a 60, hein, ça ne devait pas être grand-chose au niveau du prix. Donc bah voilà, nickel pour le barbecue. Ensuite, il y avait en ce moment dans les promotions de la semaine des chaussettes en coton de la marque Umbro. Donc elles sont en ce moment en 43-46. Donc c'est une bonne qualité. Ils sont par 3. Donc voilà. Alors, il y a un peu de tout, hein. La beauté, on va le faire à la fin. Ma fille se prend généralement, elle ne s'oublie pas non plus, des Oreos chez Action. Donc voilà. J'ai aucune idée si c'est plus cher, moins cher. J'avoue que je ne fais pas trop attention par rapport à Carrefour, par exemple. Je pourrais pas dire. Donc, elle a pris ça en tout cas. Ensuite, bricolage, toujours, je suis là, hein. Mon mari s'est pris des disques pour le lapidaire. J'y connais rien du tout. Donc, voilà. Encore un petit pinceau pour mes volets. Et du coup, bah, je vous montrerai pas là, mais on a acheté un énorme pot de peinture. Ça valait carrément le coup. Parce que je veux refaire mes volets en gris. Et il y avait notre tente. Et c'est environ 6 euros et quelques. Le gros pot. Quand on voit ce que ça coûte à Leroy Merlin. Donc on a acheté par contre une super sous-couche. Et je pense tester cette peinture-là. Et c'est pareil. Il nous fallait une sorte d'amérite pour mettre sur les ferrures des volets. Et du coup, pareil, on a pris cette peinture-là qui avait l'air pas mal en black. Et je crois que c'est même pas 7 euros le pot. Donc je crois que la mairie de chez Leroy Merlin, on avait regardé, c'était une vingtaine d'euros. Enfin, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on a la même qualité? Je ne sais pas. Mais bon, si on n'essaye pas, j'ai envie de dire, voilà. Donc, au niveau bricolage, on est pas mal. Monsieur s'est repris des peanuts salés. Voilà, des cacahuètes toutes simples, hein, j'ai envie de dire. Après, j'ai fait quelques courses pour mes collègues. Alors, ça aurait été la promo de la semaine, à ce qui paraît. Mais quand j'y suis allée, il n'y en avait plus du tout. Elles souhaitaient des petites lampes que l'on met dans l'eau et qui changent de couleur. Donc des LED. Je ne vous l'ouvrirai pas parce que ce n'est pas pour moi. Voilà, ça a l'air d'être comme ça. Et ça change jeu de lumière sous l'eau. Voilà, c'est sympa. Même ils montrent pour mettre dans le bain des enfants, ça peut être rigolo. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'était très peu cher. Et ça fonctionne à pile. Donc ça doit être sympa. Mais alors, voilà, elle en voulait plusieurs. Il n'y en avait qu'une. Hein. Donc voilà. La semaine dernière, je crois, si je me souviens bien, je vous ai présenté ma petite glacière. Comme ceci, moi je l'ai pris en rose. Je vous remettrai la vidéo en haut. Et il s'avère qu'elle est super géniale parce que du coup je peux mettre ma gamelle, je peux mettre ma bouteille d'eau. Enfin, franchement, je la remplis. J'ai besoin que d'un sac. Avant, je prenais deux sacs, la glacière et un sac à côté pour mettre la bouteille d'eau. Et du coup, avec ça, c'était nickel. Donc mes collègues m'ont demandé si j'en trouvais d'autres, de leur en prendre.
Sauf que c'est pareil, plus qu'une. C'est complètement dévalisé, c'est incroyable. Donc voilà, j'ai pris la dernière et il n'y avait qu'un coloris en rose, pas le choix. Donc voilà pour tous les petits achats à côté, autres que la beauté. Donc on va passer à la beauté. Ma fille a voulu des masques. Ah, c'est pas oublié ce que je sais. Je sais pas combien elle en a pris. Elle a pris de cette marque-ci. Alors ça s'appelle Knep. Je sais pas comment on le dit. Voilà. Un 2-en-1 masque et peeling. Donc un masque et un exfoliant. Voilà. Exfoliant douce et masque clarifiant. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc voilà, bah, elle me dira parce que du coup, moi j'en fais pas, donc aucune idée. Elle voulait reprendre absolument, parce que ça, elle l'a déjà testé et elle adore, c'est le masque Bubble. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo. Quand on le met, ça fait des petites bulles. Voilà. Et on arrive presque à la caisse. Et je sais qu'ils sont sortis depuis un moment, mais elle ne les avait pas vus, ça m'arrangeait un peu. Elle a trouvé tous ces masques-là. 7 jours, voilà, avec les jours de la semaine dessus, Monday, tout ça. Donc voilà, quand elle l'a vu, je dis bon, allez, allez, laissons-nous tenter. On va l'ouvrir. Est-ce que je peux l'ouvrir? J'ai pas de ciseaux. Attendez. On va quand même y arriver. Je vous montre ça de plus près. Donc pas un masque tous les jours quand même, hein, parce que je trouve que ça fait beaucoup déjà. Je trouve que quand on en fait un par semaine, voire deux, c'est pas mal. Ah ouais, tout est attaché. Donc ça fait des sortes de petites bouteilles. Ouais, c'est sympa. Bon, ça reste qu'un masque, hein, mais c'est assez original. Donc voilà. Par contre, est-ce qu'ils ont. Ah oui, fruits papaye, chocolat fraise, menthe, citron, avocat, et je sais pas, concombre, sweet berry. Berry, c'est des baies, non? Et un mix de fruits. Bon, enfin voilà, enfin mon anglais, je sais pas, berry, je m'en rappelle plus. Mûre, je sais plus. Donc voilà pour les petits masques. Ensuite, j'ai trouvé de la marque Rimmel. J'ai trouvé. Ah, on va pas bien voir. Donc, attendez, je vais chercher les ciseaux, je loue. Alors, ciseaux. C'est assez sympa, je trouve, parce que du coup, c'est vrai qu'on retrouve pas mal. Moi, dans le mien, en tout cas, il est très achalandé en rimmel. Le dernier rimmel que j'ai acheté, c'était mon mascara. Il est super, hein. Franchement, il est super le mascara rimmel. J'en suis très contente. Donc, voilà, c'est une petite palette qui se présente comme ceci. Alors, je suis désolée la luminosité, mais aujourd'hui, il pleut des cornes. Voilà, je vais vous l'ouvrir. Ah, mon petit machin. C'est pas mal de shimmer. J'avoue que je ne vais pas la swatcher parce que je pense la mettre dans le concours des 500 qui va venir, je pense, très prochainement. Donc, je vais la garder pour vous. Donc, j'y mettrai pas mes doigts. Ce sera pour vous l'offrir au concours des 500. Donc, voilà pour ça. Et enfin, un peu truc, un peu délire que j'aurais pas dû voir. J'ai trouvé ça trop rigolo. C'est un parfum. Franchement, j'aurais pu m'en passer. Hein. Mais alors, je trouve ça délire. C'est comme la chaussure, en fait. La chaussure qui est là, qui est donc le parfum. Ça, c'est trop top. Et là, il faisait le scooter. Non, mais dites, hein, si c'est pas Mimi. Donc, les petits parfums comme ceci, ils sentent bon. Ils sentent bon. C'est pas mes odeurs. Oui, enfin, ça se porte. Hein. Franchement, ça se porte sans problème. Et en fait, c'est écrit Born Free Night et Born Free Day. Ah ouais, par contre, la roue avant est plus petite que la roue arrière. Là, on a vous n'allez pas voir, un 50 millilitres. Et là, on a un 30 millilitres. Donc, mais je trouvais ça trop choupinou. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. Donc, voilà. Bon, bah, je me suis laissée tenter.
Donc voilà pour tous mes petits achats. C'était un petit peu rapide, mais c'est vrai que c'était pas prévu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai sans problème. N'hésitez pas à activer la petite cloche et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!